أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le plus noble des créatures, le prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui ont suivi sur le droit chemin jusqu'au jour où ni la fortune, ni les enfants, ni rien ne peut servir à l'être humain sauf celui qui vient à Allah avec un cœur propre. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous salue en salutation fraternelle de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance de voir encore une fois le Ramadan 2023. Mes chers frères et sœurs, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien parmi nous qui étaient là l'année dernière, qui ont jeûné avec nous, qui ont prié avec nous, où sont-ils aujourd'hui? Ils nous ont dévancés. Qu'est-ce qu'ils ont fait Allah subhanahu wa ta'ala? Ou nous qui vivons, qu'est-ce que nous avons donné Allah subhanahu wa ta'ala? Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu repose l'âme de tous donc nos disparus, qu'Allah repose leur âme en paix, qu'Allah pardonne leurs péchés. Nous qui sommes encore dans cette vie, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous donne la force, la foi pour pouvoir l'adorer sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Mes chers frères et sœurs en islam, ce mois est un grand mois. Shahr Ramadan, le mois de Ramadan est un grand mois. C'est un mois durant lequel nous devons multiplier nos adorations. C'est un mois durant lequel nous devons demander beaucoup de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois durant lequel nous devons faire beaucoup des aumônes, beaucoup de sadaqa. Nous devons multiplier les efforts. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam en ces termes: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Muhammad, nous ne t'avons envoyé que pour la miséricorde envers mes créatures. Le mois de Ramadan fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne donc aux croyants. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahu akbar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: quiconque jeûne avec crainte et humilité pour Allah verra donc ses péchés antérieurs pardonnés, effacés. Allahu akbar wallahi alhamd. Mes chers frères et sœurs en islam, combien de péchés nous avons commis de Ramadan passé à ce Ramadan? C'est à cause de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous a octroyé ce mois béni pour pardonner nos péchés. Jibril alayhi salam a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: maudit soit celui dont ses péchés ne sont pas pardonnés durant le mois de Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: amin, qu'Allah nous épargne donc ceux-là qui figureront parmi donc ceux qui ne seront pas pardonnés durant ce mois béni. Le mois de Ramadan, c'est quoi le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, quand on jeûne, on doit donc éviter, on doit s'abstenir de manger, on doit s'abstenir de boire, on doit donc s'abstenir de critiquer, de mentir. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, nous devons interdire tous les interdits donc pendant le jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est également, chers frères et sœurs, un mois d'entraînement donc pour obtenir la foi, un mois d'entraînement pour pouvoir donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala exactement comme il nous a demandé durant les 11 autres mois à venir. Exemple, mes chers frères et sœurs en islam, quand on jeûne, nous sommes dans notre chambre. Dans cette chambre, il y a le frigo, il y a le congélateur, il y a le micro-ondes. Nous avons toutes les nourritures dans la chambre. Nous avons toutes les possibilités d'ouvrir le frigo, boire de l'eau ou boire du jus, ou même faire sortir un repas dans le frigo et réchauffer avec le micro-ondes. Personne ne le saura. Lorsque vous avez faim, lorsque vous avez soif et que vous avez envie d'ouvrir le frigo et boire de l'eau ou manger quelque chose, vous vous rappelez que Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur, vous voit.
froid et donc vous refermez le frigo. Donc par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous êtes abstenu donc de commettre ces péchés. Pourquoi? Parce que Allah vous voit et Allah vous l'a interdit. Pendant 30 jours, c'est ainsi. Chers frères et sœurs en islam, même nos propres époux ou nos propres épouses, pendant la journée, nous sommes ensemble dans la chambre. Nous nous évitons nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Donc un homme ou une femme qui a pu éviter sa propre femme ou son propre époux pendant les jours du mois de Ramadan, je n'ai pas dit la nuit, mais pendant les jours du mois de Ramadan, pourra donc s'abstenir des autres femmes qui ne lui appartiennent pas pendant les 11 autres mois à venir. Donc le mois de Ramadan est un entraînement. Vous voyez, quand on jeûne, même si vous êtes avec un ami et que vous voulez faire un débat avec lui en abordant le sujet, en voulant critiquer un frère ou en voulant critiquer une personne, tout de suite, vous vous rappelez que c'est le mois de Ramadan et vous évitez de critiquer la personne, vous évitez de mentir. Donc, vous évitez tous les péchés pendant le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, nous constatons pendant le mois de Ramadan, toutes les mosquées sont remplies, matin, midi et soir. Nous n'avons même plus de place dans toutes les mosquées. Chers frères et sœurs en islam, et donc, nous partons à la mosquée pendant tous les 5 moments de prière. Pendant tous les 5 moments de prière, nos mosquées donc sont remplies. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui ne partais pas à la mosquée, mais pendant le mois de Ramadan, tu respectes tous les 5 moments de prière dans les mosquées, cela veut dire que quand tu arrives à le faire pendant 30 jours, c'est un entraînement. Tu pourras donc continuer la même chose, le même comportement, même adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 11 autres mois à venir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nazi'at, il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la récompense de celui qui s'abstient de ce que veut son âme, celui qui s'abstient de ce que veut son âme, donc en craignant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa récompense est le paradis. C'est pour vous dire que pendant les 30 jours du mois de Ramadan, quand on s'abstient tous les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'éviter, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense donc par le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense le paradis. Mes chers frères et sœurs, ce mois est un mois sacré, puisque c'est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le plus noble des livres qui est le Saint-Coran. Il nous enseigne dans la sourate Al-Qadr, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit donc du destin. Parlant de cette nuit du destin, ce mois béni du mois de Ramadan a une nuit qu'on appelle la nuit du destin, laylatul qadr. Et cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Laylatul qadr khayru min alfi shahr ». L'adoration de cette nuit-là est meilleure que l'adoration de 1000 mois. Je ne dis pas que correspond à l'adoration de 1000 mois, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit « khayrun » est meilleure que l'adoration de 1000 mois. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Mes chers frères et sœurs, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de qui nous avons ces bienfaits. Allah nous a donné donc cette nuit pour pouvoir donc pardonner nos péchés. Cette nuit de Laylatul Qadr, son adoration est meilleure que donc 1000 mois, et 1000 mois correspond à 83 ans et quelques mois. Chers frères et sœurs, la durée de vie de l'être humain, surtout à l'époque où nous sommes aujourd'hui, 100 ans, oui, c'est possible. Mais qui parmi nous aura 100 ans? Alors, dans ce mois béni du mois de Ramadan, se trouve cette nuit-là où « Man qama imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zanbihi » Quiconque reste éveillé en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit du destin verra donc ses péchés pardonnés et aura le bienfait de l'adoration de plus de 1000 mois. Mes frères et sœurs, le mois de Ramadan également est un mois où il faut faire beaucoup de bien
aider les pauvres, aider les voisins, aider la famille quand on a les moyens. Pour ceux qui ont les moyens, oui, la table est bien garnie à la maison. Est-ce que tu as pensé à ton voisin? Est-ce que tu as pensé à ta famille? Tu as pensé à tes frères et sœurs? Est-ce que tu as pensé à ceux-là qui ont des soucis pour avoir la rupture? Chers frères et sœurs, multiplions nos efforts, multiplions l'adoration en faisant du bien. Préparons pour nos belles familles, préparons pour nos familles, préparons de bons repas pour nos amis, préparons de bons repas pour les personnes les plus démunies. La récompense de ces bienfaits-là est le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, Rabbil Alamin, durant tout le mois de Ramadan, nous allons donner quelques conseils et quelques invocations à faire. Aïchata, radiallahu ta'ala anha, la sainte épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait demandé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelle adoration je dois faire pendant la nuit du destin. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lui a dit à Aïcha, radiallahu ta'ala anha, il faut dire ceci, Allahumma, innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allah, à toi le pardon. Tu aimes le pardon, pardonne-moi. C'est l'invocation la plus aimée durant le mois de Ramadan. Demandons pardon à Allah, car Allah nous demande dans le Saint-Coran, A'ouz billahi min ash-shaytan rajim, bismillahi rahman rahim, Allah dit, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Cherchez pardon, demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur est un pardonneur. Quand tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et humilité, Allah va pardonner donc tes péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Alors, il faut faire beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il faut le faire à maintes reprises, du matin donc jusqu'au soir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran kaseeran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à faire des zikres, à faire des zikres bukratan wa asila, matin et soir. Et pendant le mois de Ramadan, on doit faire des zikres du matin jusqu'au tomber du soleil. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous donne la baraka, les hasanat, les bienfaits de ce mois béni de Shahrur Ramadan. Le mois béni du mois de Ramadan est arrivé cette année dans un contexte difficile dans le monde entier, avec la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah met fin à cette guerre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala les difficultés qui existent dans le monde entier aujourd'hui, les crises alimentaires, les crises politiques, les crises religieuses. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Allah met fin à toutes ces crises. Tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui n'ont même plus d'espoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit leur espoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre espoir, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Je profite de l'occasion pour inviter les fidèles musulmans et inviter mes abonnés de la page Facebook Cheikh Harouna Sankaré, Khalif de la Tariqa Tijaniya, qui est suivi aujourd'hui à plus de 459 000 abonnés. Tous les comptes que vous voyez sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, quels que soient les réseaux sociaux, sachez que ce sont des faux comptes. Ce sont des mauvaises personnes mal intentionnées qui utilisent mes photos pour créer des profils. Et souvent, qui viennent sur notre page faire des copier-coller donc à leur page en se faisant passer pour moi. Je vous invite à ne pas tomber dans leur piège. Je ne demande aucun service à personne. Je ne demande rien à personne.
et je ne contacte également personne par les réseaux sociaux. Donc quiconque vous contacte en vous demandant l'amitié ou qui demande votre numéro de téléphone, sachez que ce n'est pas moi. Même si vous recevez un appel vidéo avec le visage de Cheikh Harouna Sankaré, sachez que ce n'est pas moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension, la bonne compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Bi hurmati Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, ma soeur, toi qui es en état de difficulté, toi qui as perdu l'espoir, non, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Le croyant se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève-toi pendant ce mois de Ramadan. Invoque Allah avec crainte et humilité. Fais des zikr avec crainte et humilité. Jeûne ton mois de Ramadan avec crainte et humilité. En regrettant les péchés donc passés que tu as commis et en promettant à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus revenir donc à tes péchés que tu avais commis avant le mois de Ramadan. Qu'Allah pardonne nos péchés. Bi hurmati Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est votre frère, votre fils, Khalif Cheikh Harouna Sankaré, Banankabougou, Bolé Sema, 93 logement Bamako, en République du Mali. Notre seul contact est le 00-223-66-75-92-63. Vous pouvez laisser des messages vocaux et c'est l'unique numéro. Si vous ne me trouvez pas, vous allez trouver un disciple. Inch'Allah, Rabbul Alamin. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.